À moi, c'est un peu rien à mon frère. À mon frère, parce que le Seigneur m'a appelé. Ok. Alors là, j'ai déjà lancé le direct. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai pas trop de temps. Si vous pouvez vite vous connecter, s'il vous plaît. Ceux qui seront pas là pourront le voir après. La connexion bug un peu ici, là, ça. C'est bon. Là, Non. je vais relancer. Coupe, tu relances un peu. Bonsoir la famille, connectez-vous s'il vous plaît. Ah voilà. Vous savez, dans la vie, on a des soucis qu'on règle très bien. Bonsoir, bonsoir, merci, merci d'être venus nombreux. On va régler vite fait un problème. On va pas donner tous les détails aujourd'hui. Parce que, voilà, on ne peut pas tout donner aujourd'hui, surtout que ça fait tard. Nous autres, nous travaillons demain. Mais quand on salit le nom de quelqu'un, il est quand même important d'essayer de remettre les choses à leur place. Vous avez écouté beaucoup de choses ce soir. Mais je voudrais juste vous présenter quelqu'un qui va vous dire exactement ce qui s'est passé au Maroc. À la différence des autres qui sont passés tout à l'heure, qui n'ont pas voulu se présenter. Vous comprenez bien la magouille. Donc, je vais vous le présenter et puis on va continuer le direct. Bonsoir, mon frère ou mon fils. Bonsoir, Abbé. Ok. Tu es devant 800 personnes. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui s'est passé au Maroc? Ce qui s'est passé ici au Maroc, bon, moi je suis à Casablanca. Bon, sa mère a eu des problèmes depuis 2 semaines d'abord. Bon, avec ce qu'il fait, pas tout le monde sait ce qu'il fait ici, avec ce qu'il fait ici au Maroc. Bon. Il a été payé par Niad Barano et la baronne de Suisse. Voilà. Bon, apparemment, il avait un problème d'abord avant ce qui arrive au milieu du Facebook. Voilà. Les gens sont venus là-bas l'arrêter. Voilà. On a arrangé ça à l'amiable. Parce que c'est mon frère qui a arrangé ça. Voilà. Donc, il a profité de ça pour dire que vous avez envoyé les gens pour le secret, ça, alors que c'est faux. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous êtes allé chez Samet? Pourquoi Samet vous a appelé? Il a appelé mon frère parce qu'il avait des problèmes. Il avait des sérieux problèmes. Quand nous étions à casa avec la paix, il a dit qu'il y a des problèmes avec des personnes. Bon, il parlait avec mon frère, c'est son ami. Donc, mon frère m'a dit qu'on parle. On a pris le TGV à casa pour avoir son mari là-bas et tout. Et Et tout, c'est le monsieur là. quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que Samé vous a expliqué? Non, il nous a expliqué qu'il a des problèmes avec. Il m'a donné le nom d'une fille là, mais la Dignette Barano et la baronne de Suisse l'ont envoyé un peu les sous. Ils Et l'ont que tu envoyé, ils es. l'ont, attends, attends, la baronne de Suisse et Niad Barano l'ont envoyé les sous pour faire quoi? Il a envoyé le sous pour qu'il leur dise que non, tu as envoyé les gens pour qu'on puisse le séquestrer et tout et tout. Donc tu es en train Non. de nous expliquer que la baronne de Suisse et Niad Barano ont manigancé avec Niad pour que ont manigancé avec Samet pour que Samet dise en audiovision que moi je l'ai
J'ai envie de lui faire du mal et pourtant il a des problèmes avec d'autres personnes, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça à mon frère, il a dit ça devant moi. Et il a dit à mon frère qu'il n'aime pas les organes. Qu'il a prouvé qu'il ne veut plus faire le direct. Et donc, si c'est si ce qu'il si qu ne croit pas, demain, on sera avec lui demain. Voilà, il va faire le direct là. Demain à 16h, on sera avec lui. Voilà, parce qu'il connaît. Voilà, il avait promis ça. Donc, faut pas qu'il vienne mentir aujourd'hui que non, c'est toi qui as envoyé les gens derrière. Tu n'as pas envoyé les gens derrière. Lui-même, il connaît. Il connaît ça, nous sommes ici en ça. Donc, faut pas qu'il fasse la diffamation de nous. Voilà, faut pas qu'il mélange les choses. Et lui-même, il connaît ça. Et si demain, on sera ensemble. Demain, il connaît ça, demain, on sera ensemble. Parce qu'il faut qu'on arrête les choses là. On arrête de mélanger les choses. On arrête de distraire l'opinion publique. C'est pas free comme ça. C'est pas les bonnes habitudes. Voilà, et lui-même, il connaît ça. Il arrête de dire qu'on dit qu'il est secret. Il n'est pas secret. Il n'est pas secret. Voilà. Il n'a aucun souci. Voilà. Il n'a aucun souci. Aucun souci. Donc, tu nous confirmes ici que toute cette magouille que sa mère a fait, c'était un montage de Lolita Enyat Barano. À 100%. Voilà. Et maintenant, quelle preuve tu peux apporter ici, là, devant ces personnes, que tu as été chez sa mère et que sa mère vous a dit ça exactement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prouver ça à toutes ces personnes qui nous regardent ici? Ce que ça nous dit, c'est quoi? Si c'est que ils ne croient pas demain, au plus tard, 16h, nous serons avec ça. Ok. Demain, 16h demain. Au plus d'un soir ensemble. Et vous, c'est 16h. On sera avec lui. Il va faire le direct là, il va demander. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est pas la même chose. Parce qu'on est ensemble. Voilà, faut pas qu'il vienne distraire les gens. Il dit que non, c'est cela. Faut qu'il arrête ça. Voilà. Il a dit que c'est un. Il a dit à mon frère le jour là, que c'est rien, c'est la famille. On ne met pas les oreilles. Voilà. Il nous a promis qu'il ne veut plus faire le direct. C'est pour ça qu'il a envoyé. Il a envoyé maintenant les messages à compression et tout. Les trucs à compression et à main quand même. Voilà. Comme il a encore fait le direct aujourd'hui, c'est demain, au plus tard, 16 ans, on sera ensemble. Voilà. On sera ensemble. Il connaît. Ça ne fait pas 3 jours qu'il est ensemble. Il connaît. Faut pas, mais il faut qu'il arrête de mentir. Moi, ça m'étonne quand il raconte des choses comme ça. Voilà. Et on voit là, que ça parle. Donc, il faut qu'on arrête ça demain. Il faut qu'on arrête ça. Ouais, ça peut y aller très loin actuellement si c'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Ok. En tout cas, mais si vous, puisque vous serez demain ensemble à 16h, comment nous, on sera au courant? Bon, on va appeler. Ce sera en live. Ce sera en live. Il connaît quand il ne peut pas. On connaît où il est. Ce n'est pas un dit que je connais, on connaît la maison. Ce n'est pas. Qu'il ne peut pas se cacher. C'est nous qui contrôlons le Maroc, qui connaît ça. On se voit tous les jours, c'est pas un truc. Il ne faut pas qu'il, quand il allume sa caméra, il commence à raconter des trucs. En faisant pitié, il fait le modèle, c'est le mensonge. Voilà. Demain, on sera ensemble. C'est pas ça, c'est en même temps. Voilà. Mais vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la même ville? Non, nous ne sommes pas dans la même ville, c'est proche. Mais il y a un de nos frères qui est à la même ville. Il habite en face de lui. Il connaît, non? Avant, ça fait 4 jours, on était ensemble au café, on était ensemble. Il connaît, et s'il ne connaît pas, il connaît très bien. Ok. Et vous avez suivi son direct de ce soir? Non, je n'ai pas suivi son direct. C'est mon frère qui a suivi son direct. Ok. Et parce que moi, je suis allé à un match. Il a donné. Il y a deux personnes qui ont intervenu. Il y a un qui s'appelle Alex. Est-ce que vous connaissez un Alex au Maroc? C'est un grand mandat. Qui est Alex? Qui est Alex? Il y a beaucoup de Alex ici. Voilà, il y a beaucoup de Alex. Voilà. Moi, je fais la belle vidéo. Et qu'on n'a pas fait la belle vidéo. C'est un montage qu'ils ont été faire là-bas. Et même là-bas, Alex, il va me vendre le forum. Voilà. Parce que ça part déjà loin. Voilà. Devient sérieux. On t'a devient sérieux comme ça, on va prendre les choses à main. Demain, on va mettre tout ça à terre. Okay. Ça va dépendre de vous. Et voilà.
Si tu veux explorer comment tu vas gérer les problèmes petit à petit, ben, tout ce qui sera de toi, tant pis. Si tu veux voir le film là, qui se passe, tant mieux. Voilà. Ok. On ne vit pas le rêve, la réalité. En tout cas, je vais dire ici devant plus de 2500 personnes, je ne vous ai pas envoyé de le tuer, hein. Mais... Non, non, Roubaix, on ne peut pas le tuer, c'est la politique. Voilà. Ok. On a dit les choses, ok. C'est très simple. Ok. Voilà, nous sommes les hommes. Parce que, Voilà. est-ce que vous êtes d'accord du lynchage que je reçois dans les réseaux par rapport à Samé? Vous qui êtes au Maroc, je voudrais que Non, tu non, t'exprimes non. ici. Vous qui êtes au Maroc, est-ce que depuis que Samé a commencé cette histoire, vous êtes au courant? Moi, particulièrement, je n'étais pas au courant. C'est mon frère qui m'a mis au courant. Et ce n'est pas normal. Voilà, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on dit d'abord, c'est même pas que le Bassa ou quoi que ce soit. Nous, les Bantous. Donc, on est respectés. Nous ne sommes pas comme les Nkassa. Les Nkassa ici, le Nkassa. Tu vois, l'enfant, il manque le respect à son père parce qu'ils n'ont pas l'éducation. Non, on nous a éduqués. Voilà. Donc, c'est la diaspora positive. Voilà, on respecte le grand enfant, on respecte les nés. Si le grand enfant fait l'erreur, non, ça s'arrange. Parce que le linge, ça, c'est là. C'est là, en famille. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un mauvais travail. Oui. Et il a zaï, c'est qu'il a zaï. Ok. Voilà. Il meurt, non. Ok, C'est merci. ça. Ok, merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton témoignage et puis on attend la suite demain. Merci. D'accord, ouais, je suis Merci. Il est une chose, vous savez, quand les gens font des trucs, des conneries, quand ils veulent vous nuire, ils utilisent beaucoup de méthodes. Ce garçon qui a intervenu ici m'a appelé le 18. Je vais vous montrer. Je n'ai même pas vu son appel. Parce qu'il me demandait qu'est-ce qui se passe sur la toile. Comment est-ce que je peux retrouver son appel? Regardez très bien. Le 18, le 18 décembre 2023. Regardez. Le 18 décembre 2023. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais appuyer devant vous le 18. Écoutez ce qu'il me dit le 18 décembre. La date est là. Regardez bien les dates. Regardez bien la date. Écoutez ce qu'il me dit le 18 décembre. Attendez, je mets le volume. Je mets le volume. Et l'enfant veut. Dis la gamme, ma mère, c'est vous, vous avez donc téléphone. Père, mais oui, c'est ma maroc, père, mais non, vous avez été reçu, n'y a rien, moi, nous sommes là-haut, avec des enfants, père. Mais c'est ma maroc. Donc, un petit peu, elle a dit, la baisse, ça m'est la promotion. Voilà, assez répété, on avait dit, c'est la famille, des banques sales, père. Voilà, des banques sales. Moi, j'aime vous voir comme vous êtes ensemble, père. Voilà. Un type connaît la momo, la voix de dossier. On a ouais, arrêté, ouais, pour la banque, il me dit, père. Ça, c'est le 18. Je vous renvoie le deuxième message. On va aller mollo mollo. Hein. Ça va être un très court direct parce que nous, hop là. Même le téléphone ne veut plus se débloquer. Voilà. On est toujours le 18. Hein. Écoutez le deuxième message. Jusque-là, je ne suis pas au courant de ces messages. Oh là là, c'est trop bas ça. Comment je peux faire pour mettre le volume? Oh là 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 là, c'est très bas ça.
Je ne sais pas pourquoi le volume est parti. Vraiment, les sorciers, là, ils sont forts. Hein. Ils font partie le volume de mon téléphone. Écoutez déjà le premier message. On est toujours le 18. Hein. Regardez bien les dates. On est le 18. Écoutez le premier message. C'est la gamme, comment c'est pour votre avis, mon téléphone. Ben, mais c'est un Maroc, ben, mais il y a une autre, mais il y a une autre, il y a une autre, avec des enfants, mais c'est un Maroc. Donc, un petit peu, il avait sa mère, bon, mon suivi. On va expliquer. Voilà, assez répété, on avait, il est, c'est la famille, des banques sales, ben, voilà, des banques sales. Moi, j'aime vous voir comme vous êtes ensemble, voilà. Ben, un petit peu, il y a un moment, il y a un autre, et le deuxième message, je ne sais pas pourquoi le volume part. Le deuxième message, c'est ça. Le volume est très bas. Bref, vous avez écouté. Je voulais juste vous dire. Je peux même faire écouter d'autres messages. Ok. Je voulais juste vous dire que vous avez suivi un direct tout à l'heure où des personnes sont venues témoigner avec en vocal, comme on dit, sont venues témoigner en vocal. Et pourtant, on me présente comme un meurtrier, mais les personnes sont incapables de se mettre devant tout ce monde-là qui m'accuse au lieu de montrer leur visage et quoi le premier message. Oui, mais ça c'est le premier message, c'est lui. Écoutez, regardez, moi je suis très franc, hein. Ça c'est le téléphone de Facebook, hein, dans tout le monde là, et c'est là où il m'a appelé la première fois, hein. Regardez la première fois qu'il m'a appelé. Et j'avais jamais répondu, hein. C'est en février. Regardez bien. Février 2023. Ça, c'est son premier message. Écoutez son premier message. Grand, dit la grande, mais nous, petit, on n'est pas diamant depuis le Maroc. Dit la grande, mais nous, on est. Voilà. Voilà. Ça, c'est le deuxième message. Donc, ce message-là, les deux messages qu'il m'envoie le 18, ce n'est qu'aujourd'hui que je prends connaissance de ces messages. Il va vous le témoigner, hein, aussi, il peut le témoigner. C'est-à-dire, depuis le 18 décembre qu'il m'envoie les messages, quand je sens aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mouvance. Et puis mon téléphone, vous savez, le téléphone de Facebook, pour nous qui sommes sur Facebook, nos téléphones sont pleins. Donc il faut les vider de temps en temps. C'est comme ça que je tombe sur ces messages. Et vous imaginez que pour moi, c'est du pain béni. Et je l'appelle pour lui dire que mais mon petit, ce message-là, ce n'est que maintenant que je l'écoute. Et il m'explique ce qui se passe. Je voulais seulement vous dire que quand on vient témoigner, comme les autres ont témoigné là-bas, je crois qu'il faut venir à visage découvert. Un. La deuxième remarque que je vais faire dans ce direct, on vous a dit qu'un numéro m'a appelé de l'Angleterre. Le monsieur de l'Angleterre a parlé, et le monsieur qui était sous-entendu être au Maroc a parlé en même temps. Donc ça veut dire que les deux étaient au même endroit à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que normalement, on devait faire deux appels. On devait faire un appel en Angleterre et un appel au Maroc. Mais on a fait un seul appel et les deux personnes ont parlé. Ça, c'est le deuxième hic dans ce direct. Le troisième hic, c'est que
Vous savez quoi? Vous voulez courir sur Facebook. Moi, je ne cours pas. Je voudrais juste établir la vérité. Nous avons tous des téléphones qui enregistrent tout. Mais je veux vous dire que Lolita Egnat, j'ai joué dans votre cerveau. J'ai bien joué dans votre cerveau. Parce que ce numéro-là, de l'Angleterre dont vous parlez, ce numéro dont vous parlez de l'Angleterre, prenez ce numéro. Prenez ce numéro. Vous le vérifiez. C'est les arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Je ne dis pas que c'est un faux numéro. Hein. Je dis que c'est les arnaqueurs. C'est les Samuel Eto'o. C'est les Sombahanak. Je vous donne ce numéro. Ceux qui savent chercher, faire des recherches. Ceux qui ont des téléphones WhatsApp. Je vais vous envoyer la recherche. Parce que la recherche de ce numéro a été faite. C'est un fake. C'est ceux-là qui font les Eto'o fils et tout ça. Je vais vous le donner. Il faut le noter. Et vous allez vous-même, pour ceux qui savent checker les numéros, il faut le checker. Et vous allez voir comment ils ont manipulé avec les messages. Mais ça, on prend le temps. On prend le temps. Quand on fait les choses, on n'est pas pressé. Prenez ce numéro. Plus 44. Notez le numéro. Plus 44. 74. 66. 79. 97. 49. Est-ce que quelqu'un l'a écrit, s'il vous plaît? Je voudrais que tout le monde check ce numéro. Vous comprendrez d'où est la provenance de tout le fake qu'on vous a présenté. Plus 41. Est-ce que quelqu'un peut noter? Plus 41. Est-ce que la technique peut noter? Plus 41. Comme ça, je vais l'épingler. 74. 66. 79. 87, 49, je répète, plus 44, 74, 66, 79, 87, 49. Ok, on va l'envoyer, je vais l'épingler. J'aimerais que chacun de vous check ce numéro. Chacun de vous check ce numéro. Vous verrez que c'est le numéro fake. Mais je ne le vois pas là. Il est parti. Je ne le vois pas encore. Faut que je le coince là pour l'épingler. Voilà. Épingler. Il y a quelqu'un qui l'a déjà écrit. J'espère qu'il a bien écrit. Faut que je vérifie. Non, c'est pas plus 41, non. Non, tu as le faux numéro. Non, c'est pas le bon. Faut pas perdre les gens. Faut pas perdre les gens. Mais pourquoi je le vois pas? Attendez, c'est celui-là. Voilà, je vais vérifier parce que faut prendre ce numéro, le checker. C'est les Eto'o fils, ce numéro là. C'est plus 44, 74, 66, 79, 87, 49. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire que l'homme est mauvais. Je vous ai expliqué dans un post, je crois hier, qu'il y a une cabale qui est montée depuis le Maroc. Je ne sais pas pourquoi ils veulent ma tête. Ils vous ont donné les deux noms qui ont organisé tout ça.
Je peux vous dire que c'est maintenant que la vraie danse commence. J'ai entendu qu'il y a des directs. D'ici là, je crois que je ferai plus de directs parce que je dois me concentrer à cette histoire. Elle est très, très intéressante. Elle est très intéressante. Et vous savez très bien que nous, nous sommes en Europe. Les téléphones, tous les appels qu'on a passés, on peut les ressortir. Même les vocaux qu'on a fait, on peut tout ressortir. Donc, ce que je peux dire, je ne voulais pas prendre d'appel ce soir. Je ne voulais vraiment pas prendre d'appel ce soir. Ça va être long. Il faut que je m'organise pour... pas pour ma défense. Parce que vous avez compris même le direct. On a commencé par vous dire que... on a demandé de d'ôter la vie à quelqu'un. Après, on vous a dit que c'était pour... prendre les téléphones. Après, on vous a dit que c'était pour donner une petite bastonnade. Et après, d'autres ont continué dans ôter la vie, tuer, tout ça. Bref, c'est pour vous dire que l'homme est mauvais et il faut prendre, faut faire attention avec les gens qui nous entourent. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que j'ai bien joué dans leur tête. J'ai très bien joué dans leur tête et vous pouvez compter sur moi. Ça ne me fait pas peur du tout. J'ai compris leur envie. C'est juste que je les empêche sur la toile de faire beaucoup de choses et ça leur plairait de ne plus me voir. Mais ça, c'est un petit problème. Ça, c'est tellement petit, ce qu'ils ont fait pour me faire partir de la toile. Mais je dis que c'est maintenant que la danse commence. Donc, je peux juste vous dire que tous les messages que vous avez reçus sont faux. Tous ces messages, on a expliqué que le numéro est monté, le numéro est descendu. On peut coller les numéros partout. On peut faire tout ce qu'on veut avec les numéros. On peut faire tout ce qu'on veut. La technologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Il suffit que quelqu'un vous appelle. Dès qu'il vous a appelé et que la personne a eu votre numéro, il peut fabriquer les messages et mettre vos numéros. C'est pour ça que je vous dis que je vais rentrer dans le vrai silence maintenant. Parce que je dois travailler. Je vous aime bien. Merci à tous ceux-là qui prennent la peine pour moi. Merci pour tous ceux-là qui participent. Merci pour tous ceux-là qui veulent la vérité. Et surtout, ceux-là qui, depuis le début, ont compris que depuis un moment... il y a une sorte de cabale qui est très bien savamment organisée. Hein. C'est pour ça, ce numéro anglais m'a contacté. Donc, il fallait que ce numéro me contacte et rentre dans mon téléphone. Mais on va se battre. On va se battre et puis, on va faire ce qu'il y a mieux de faire. Parce que les gens veulent... J'avais bien annoncé, je l'ai déjà dit, j'avais annoncé un post qu'il y a une cabale qui est faite depuis le Maghreb. Tout est encore sur ma page. Hein. Donc, je vous ai annoncé ça, mais ils n'ont pas compris. Justement, j'attendais que ça arrive là pour que je sorte. Et ma prochaine sortie, ce sera peut-être pas dévastatrice, mais elle sera plus clairvoyante. Merci à vous, bonne soirée, bonne nuit. Il faudrait qu'on aille se coucher parce que nous autres, nous travaillons demain. On est ensemble, la famille. One peace, one love. Bye bye. Ciao, ciao. Excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Excusez-moi. J'ai oublié de dire quelque chose. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? Excusez-moi. Il ne faut pas prendre les enfants d'autrui pour les mettre dans des problèmes, pour enfin faire porter le fardeau à quelqu'un d'autre.
faut pas mettre les enfants d'autrui dans des problèmes pour essayer de faire porter le chapeau ou la souffrance à quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais ajouter en partant. Bonne soirée et à très bientôt.